Salut tout le monde, ça va, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous fais une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un personnage emblématique de la scène pop culture. Il s'agit tout simplement de Magneto, mais également, je vous parlerai aussi de son rapport avec le grand leader Malcolm X. Allez, c'est parti! Eric Lancher, de son vrai nom, est un super vilain de l'univers Marvel. Il a été créé par Jack Kirby et Stan Lee. Il fait sa première apparition dans le comic book Uncanny X-Men numéro 1, sorti en 1963. Confession juive, et également c'est l'un des seuls survivants de la Shoah. Mais aussi, il faut pas oublier que lui, c'est un mutant. Si vous voulez, c'est des êtres qui ont le gène X, comme on dit. Et pour être plus précis, ben en fait, lui, son pouvoir, c'est de maîtriser le magnétisme, c'est notamment de maîtriser toutes sortes de métaux. Et il faut pas oublier que Magneto, c'est l'un des personnages les plus emblématiques, notamment dans tout comics confondu, avec le Joker et puis bien d'autres. Alors, vous allez demander, c'est quoi le rapport entre Magneto et Malcolm X? Ben, sachez que Magneto a été inspiré du célèbre leader et également ancien porte-parole de la Nation of Islam, Malcolm X. Oui, c'est pas des lol. Et justement, si vous regardez le film X-Men, le commencement, que je vous conseille fortement, ben quand vous voyez les pensées de Magneto, ben franchement, ça vous fait penser un peu à celle de Malcolm X. Car en fait, si vous voyez les deux, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? C'est le respect de leur peuple. Magneto, lui, c'est les mutants. Et Malcolm X, lui, c'est la communauté noire, surtout aux États-Unis. Et justement, le truc dans ça, c'est qu'en fait, ils vont pas hésiter à utiliser la force. Et surtout Magneto, dans les comics, quand vous regardez, des fois, lui, c'est vraiment... C'est tant que t'attaques ma communauté, mon peuple, ben en fait, je vais te faire du sale. Et Malcolm X, lui, c'était à peu près la même chose. Et si vous regardez, il y avait beaucoup de similarités. Et surtout, c'est ça aussi qui donnait des personnages charismatiques. Parce qu'en fait, on comprend ce qu'ils voulaient faire, c'était quoi leur but, c'était quoi leur combat. C'est pour ça que Magneto, il était à la fois qualifié de super vilain, d'anti-héros et de héros. Lui, si vous voulez, en fait, il voulait que les mutants soient acceptés dans la société. Et s'il fallait utiliser la force, ben, il allait le faire par tous les moyens. En plus, justement, lui, il contrôle tous les métaux, vous imaginez, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Et franchement, je vous conseille en tout cas de lire les comics sur Magneto, surtout celui-là, je vous conseille fortement, il est très intéressant. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao!